Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle VOD. Aujourd'hui je suis tout seul et aujourd'hui j'ai prévu de faire Laurence, hein, tout simplement. Donc dernier épisode qu'est-ce qu'on a fait? Dernier épisode on a fait Lady Maria, qui est le meilleur boss de Bloodborne, hein, tout simplement. On va pas se leurrer. Aujourd'hui donc let's go faire Laurence parce que j'ai envie de terminer par Parcos. Voilà. Donc, enfin, terminer le DLC du moins. On va tout gentiment aller vers Lawrence. Lawrence, pardon, je sais pas pourquoi je dis Lawrence. Alors, apparemment, c'est un boss épicé. Apparemment, c'est un boss épicé. Église du cauchemar. C'est quoi, église du cauchemar? J'ai un doute sur là où je dois aller là. Attends, cauchemar du chasseur, c'est comme si c'était le faubourg. Et en soi, j'ai juste à monter. J'ai juste à monter, il est juste à droite. Mais par contre, église du cauchemar. C'était église du cauchemar, c'est là où il était ou quoi? C'est là où il y avait le corps de Laurence ou c'était cauchemar du chasseur? Réfléchis. Église du cauchemar. Après, je suis allé faire Ludwig. Tas de cadavres souterrains. Tas de cadavres souterrains, c'est le. Non, non, c'est cauchemar du chasseur. Plus de doute. Bon, mais go se faire péter la gueule, hein, comme on dit chez nous. En sachant que du coup, si vous vous rappelez dans les VOD, la vicaire Amelia, c'est je pense le boss qui m'a fait le plus galérer du jeu, étonnamment. Étonnamment. Donc là, je crois qu'il faut juste monter. Va y avoir le bouc qui garde la porte là-bas, le gros lard là. Bon, on va se casser, lui on va le Veski, il va nous suivre à la mort à lui, on le sait. Hein. Là, va falloir se mettre à gauche. Voilà. Là, on monte. Là, ça va ouvrir les portes. Ok, je vais me faire casser la gueule. Allez, passe! Oh, s'il te plaît, passe! Putain, d'habitude, il sortait pour aller attaquer les deux autres. Bon, ok. Ok, j'ai légèrement de choc. Mais c'est pas grave. Fait, dans mes souvenirs, il sortait. En fait, il fonçait sur les deux mecs de devant. Et en mettant sur la droite, je pouvais passer, mais apparemment non, du coup. Putain, la run back est longue, par contre, enfin, elle est longue. Elle est comme pour la vicaire Amelia, quoi. Elle est chiante, elle est. Salut, salut, immortel! Comment tu vas? Ouais, la run back est vraiment casse-couille, quoi, avec la boule, le gros lard, putain, ça donne envie de canner quoi. Allez, la boule, tac, là on monte. Là, ils ouvrent la porte. Voilà, c'est ça que j'attendais. Allez, passe, s'il te plaît, passe, décale-toi, mon ref. Ça va. Oh, en plus, il me casse la gueule. Il rentre dedans ou pas? Il rentre totalement dedans. Mais est-ce que je peux le faire là, Laurence? Parce que j'ai l'impression qu'il était déjà comme ça. Oh, il a bougé, non? Est-ce que j'ai récupéré le truc? Ah oui, c'est bon, ok. Cinématique, je coupe mon micro.
Ah, il va me casser la gueule, lui. On le sait. Ça fait longtemps que j'ai commencé Bloodborne. Ça fait, j'ai à peu près 30 heures de jeu dessus. Et là, j'ai fait le DLC. Il me manque que le dernier boss, enfin que le boss de fin sur l'histoire principale. Et sur le DLC, il me manque Koss. Lui et Koss, on va dire. Ok. Oh là là. Ce qui est bien avec ces boss, par contre, c'est qu'ils sont relativement lents. Oh, par contre, la caméra, ça va être infernal. Ah, d'accord, là, il y a une petite zone après. On va essayer de rester dans son dos, hein, comme la Vicar Amelia. Hein. J'imagine que c'est le même fight. Hein. Fait que c'est le même fight. C'est après ça qu'il y a l'explosion, non? Non, ok. Oh la caméra! La caméra, c'est infect, hein? Coincé. Ah non, ça va. Ok. Oh, je me fais dégommer. Je sais pas où je suis. Le combat est abject. J'ai pas peur de le dire. Ah, j'ai plus, je pense que j'ai plus assez de fioles pour terminer. Même si j'arrive au bout. Oh là là, il y en a 4, il y en a 4 ou 5 des attaques. C'est infernal. C'est là où il y a la zone, non? Pouah, j'y vois que dalle. J'y vois que dalle! C'est quoi ces boss de mort? Oh là là, c'est infernal, tu vois rien, tu vois rien. La caméra, c'est trop mal fait sur ces boss, sérieux, FromSoft, faites un effort, quoi. Je me demande s'il faut pas que je la joue D-Lock.
Parce que franchement, Locke, le truc, le book saute, t'es, tu vois plus rien, quoi. En fait, le combat, j'ai même pas l'impression qu'il soit dur. Bon, il m'a arraché, hein. Attention, on est d'accord, hein. Il m'a arraché. Oh, j'ai que 10 fioles. J'ai plus assez. Faut que j'aille acheter des. Allez, tue-moi. J'ai même pas l'impression que le combat soit réellement dur. Alors après, j'imagine qu'il y a une deuxième phase où c'est un peu plus galère. Attention. Mais là, c'est surtout que, en fait, ta caméra, elle est tellement à chier qu'en fait, tu te retrouves dans des positions où tu vois même pas si t'es en train de le taper. T'as son feu qui démonte tes fioles. C'est affolant. Vraiment, et je sais que c'était ça qui m'avait gêné aussi dans la Vicaire Amelia, c'était c'était clairement la caméra, quoi. Les gros, en fait, comme ça, c'est affreux. Dans des églises, en plus, où, genre, les murs, il y a 2 mètres. Oh là, vraiment, hein. Ils sont pas agréables, ces fights, hein. Vraiment, c'est les pires boss, là. J'ai pas honte de le dire. Ceux dont le Laurence et le ou la Vicaire Amelia est le boss favori, les gars, faut vous remettre en question. Je vois que ça. Ah non, mais excusez mes mots durs, mais c'est infernal, c'est infernal. Bon, on va re-abuse, hein, quand même, hein. Tant qu'à y être. On va pas aller farm des popos non plus, hein. On n'est pas des bêtes, hein. C'est pour vous que je fais ça. Je préférais quand la maison n'était pas en feu, là. Là, ça met une petite ambiance qui fait peur, là. Comme ils savent le faire. Bon. Laurence. Oh, la run back, elle est infernale. Oh là. Pire boss. Qu'est-ce qu'on était heureux sur Lady Maria avec la lanterne à côté, putain. Les bons souvenirs. Bon, lui, si on esquive le coup de gun, normalement, on est bon. Oh, me faites pas perdre des fioles, les gars, s'il vous plaît. Allez hop. Bon. Et l'autre revient pas là-bas? Non, ok. Let's go. Let's go, let's go.
Oh, d'où ça me touche, ça. Oh, d'où ça me touche. Bah écoute, premier. En fait, j'ai pas l'impression que le combat soit dur, mais c'est plus la caméra qui est infernale à gérer. Vraiment, la caméra, c'est un délire, mon pote. Endroit clos comme ça. Ok, donc c'est cette attaque qui fait tout péter. Oh là, faut pas que j'y aille comme ça là. Oh, mais c'est affreux, tu vois rien! Tu vois rien! La caméra elle se tourne, tu sais plus où t'es! Tu sais plus où sont ses bras! Le combat il a chié ce boss! Il a chié, c'est juste des caméras! FromSoft, putain, faites des caméras qui savent tourner dans des églises, bordel! Putain, c'est infernal! C'est infernal! Tu vois que dalle! Le boss est à chier! Le boss, tu t'éloignes, tu recules, tu lui mets des dégâts, le combat est lent, mais c'est pas dur. Non, vraiment, c'est franchement, le. J'ai les timings pour le. Pour lui donner des coups, c'est juste que tu sais pas où il est. La run back, elle est affreuse, pire boss. Pire boss. Déjà que la Vicaire Amelia, c'était pas terrible. Oh là là, putain, on était heureux sur Lady Maria. On mourait, mais qu'est-ce qu'on était heureux. Faut la jouer sans la lock. Ouais, je me doute, mais. Mais là, je l'ai joué, ça, la lock, mais sauf qu'il y a quand même des moments où en fait tu te retrouves avec la caméra derrière, quoi. Vraiment, je m'amuse pas sur ces boss. Vraiment, je le dis, hein. Je le dis, Bloodborne, gros défaut, ces boss dans les cathédrales là. Alors vraiment, ça là, je sais pas, si vous êtes pas capable de faire des caméras qui sont propres, faites pas des boss comme ça, quoi. Il y aura 40 try hein, sur ce boss, hein, j'en suis sûr. Hein.
mettre en charge ma clope électrique aussi, électronique, pardon. Allez. Je suis à deux doigts de regarder un tuto pour voir si on peut le glitch. Oh, mais il balaye à 10 000 mètres. En fait, il vaut mieux que j'aille par la droite, je pense. Oh là là, mais mec, il télescope son bras sur toi, qu'est-ce que tu veux faire? Oh. Ouais, mais je joue mieux. Pas l'arme transformée, j'ai l'impression. Genre, je maîtrise moins les timings. Enfin, vu que je rush pas mal, quand je unlock mon arme, du coup, j'ai beaucoup moins de stamina et donc j'ai plus mes timings. J'ai l'impression. C'est pour ça que je le fais pas. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre dessus à lui là? Y a pas un truc qu'on pourrait utiliser pour Molotov à déclenchement tardif. On va tester les trucs empoisonnés là. Poignard empoisonné, vas-y, on va voir ce que ça donne. Ça sera pas game changer hein, mais. Ouais, moi je vais essayer, je vais essayer, je vais voir. Allez.
Ok, ça fait 50 de dégâts les poignards, c'est vraiment de la merde, hein. Pas comment on le prend pas lui. Comment il balaye. Oh là. Ouais, ok, j'ai l'impression que c'est mieux quand même. Arme débloquée, merci Toto. Oh, je savais. J'étais greedy là, j'ai voulu mettre un coup pour récupérer. Mais si tu galères un peu au début, c'est parce que t'es pas tué. Ok. Ouais, ça a l'air mieux. Yo, Kemesto, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien, on se fait dégommer par Laurence, mais ça va. Ça va, ça Laurence, aka toutes les vicaires en fait, Vicaire Amelia, Laurence et tout là, c'est l'enfer. Allez, laisse-moi mon ref. Oh, mon pote! Notre Nagerko, putain! Comment tu vas? 70 try, ouais, bon après NG plus 3 aussi. Comment vous allez, les gars? Ouais, bah là je galère, hein. Là je galère. En plus, vraiment, ce type de boss là, Vicaire Amelia, Laurence et tout, j'ai vraiment du mal. Je suis meilleur, j'ai l'impression d'être meilleur contre les mobs qui sont un peu plus humains, on va dire. Dans l'escalier où il y a la bouche. T'as niqué. Attends. T'as niqué Cocos? Non. Cos. Ah.
Est-ce qu'il y a la bouche là? Ok, je peux directement monter sur la gauche. Ok. Bon, à savoir. Ouais, non, j'ai pas fait Kos encore. On a fait Lady Maria dernier live. Et on est arrivé au village de pêcheurs. Et le village de pêcheurs, je l'ai pas fait. Oh, mais genre. Et bonsoir, Romartiex, comment tu vas? Non. En fait, juste après, je crois, Ludwig, tu débloques le truc qui te permet d'aller. Tu sais, en fait, là où t'as les deux relous là, celui qui te balance des sorts lointains et dans une espèce de comment ça s'appelle, de dortoir. Il y a celui qui te balance l'espèce de mage qui te balance des boules de feu et l'autre qui te t'aggro et le chasseur qui t'aggro directement. Et ben là, à cet endroit-là, t'as le truc pour récupérer le de quoi faire Laurence. Ouais, c'est ça, exactement. Tu vois les deux relous dont tu parles, celle en blanc, tu sais c'est qui? Non, je sais pas du tout. Ah là, je suis pas allé directement à gauche. Le mec écoute rien de ce qu'on lui dit. C'est la vicaire Amelia? Comment ça? Oh, lui il a pris tarot. Comment ça c'est la vicaire Amelia? Nani? Mais la vicaire Amelia c'est pas la vicaire Amelia justement? Ouais, ben en gros, si tu le regardes bien, ils ont le même design. Oh, je jure, putain. Ok. Ok, je savais pas du tout. Si tu te rapproches tout doucement, tu entends qu'elle récite la même prière. Ok, putain, stylé. Bon, désolé, je parle plus trop quand je suis en fight, hein. Oh, il s'est retourné, mon pote. On m'a soigné.
J'imagine qu'il y a une phase 2, mais on l'a jamais atteint. Oh là là, il bondit tellement vite. Oh là là. Oh, mais là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Putain. Putain, c'est incroyable si c'est vrai, Kemesto. Y a une phase 2, ouais. Je me doutais. Du coup, c'est quand même assez fou parce que ce soit dans le monde réel ou dans le cauchemar ou dans le DLC, ils ont réussi à rendre la Vicar Amelia chiante des deux côtés. C'est quand même une sacrée prouesse. Bon. Putain, j'ai pas le timing pour cette attaque. Tiens, 4 popos, je me suis même pas battu encore. Oh, mais... Oh putain, je suis pas mort.
Incroyable que je sois pas mort juste avant. Ça donne que je me fais péter le cul. Comment ça, la phase 3? J'ai déjà pas vu la phase 2. Chance, du coup. Putain, ça veut dire qu'il se réveille ou un truc comme ça? Là, quel enfer. Quel enfer, ce boss. Pourquoi c'est les meilleurs boss qui durent le moins longtemps? Pourquoi Logarus, il était aussi simple? Oh là, je me suis fait détruire. Ça va, vous? C'est du RNG! C'est de la RNG! Se transforme en Lawrence Prime avec un shotgun. Oh. J'espère que tu mens. J'espère. J'espère que c'est pas ça. Je le trouve plus dur que Koss largement, perso. Bah déjà, si sur Koss les caméras sont à peu près bonnes, déjà ça simplifie énormément le combat parce que là les caméras sont à chier. FromSoft ils se disent bah vas-y, si on mettait un mob de 8 mètres de long dans une cathédrale, c'est sûrement une bonne idée. Ah oh, mais mon pote, tu vois rien, tu sais même pas où t'es, tu sais même pas où t'es. FromSoft, arrêtez de nous mettre des boss de merde comme ça, dans des endroits aussi cloisonnés. Tu sais même pas où t'es. Qu'est-ce que tu veux esquiver? Quarante mille PV, voilà. Bot, la cam c'est de la merde, je chie dessus, évidemment. C'est pas pour autant que je fais bien mon fight, la preuve, je vais finir par le battre dans 30 essais, mais c'est juste casse-couille quoi. Le fight est pas agréable, alors qu'ils auraient mis une caméra beaucoup plus opti, et le combat était agréable.
ou un endroit moins cloisonné. N'hésite pas à changer d'arme. Ouais, mais j'ai pas d'arme aussi bonne. Coup précis, j'aimais beaucoup cette arme en vrai. Et au final, la Vicaire Amelia, je l'avais battue avec le coup précis, je crois. Quand il crie, il s'allonge. J'ai l'impression. Quand il fait son cri strident à la mort là. Non, là j'arrive plus à le taper là. Bizarre, à chaque fois que tu sautes au lieu d'esquiver aussi. Après, je sais pas ce que j'ai comme rune hein, sur mon coup précis.
Non, mais on va le tenter. Au pire, ça fera une mort de plus, quoi. Et puis à ça près, hein. Pour la strat, tu avances à ses pieds. Ouais, mais j'ai vu que à ses pieds, ça semblait un peu plus simple. Mais en fait, le truc, c'est que c'est qu'il se retourne, il te fout des grands coups d'un coup d'un seul là. Ouais, je fais pas beaucoup de dégâts quand même, hein. Yo, Bendy et Neps, comment vous allez? Ouais, après je fais vraiment peu de dégâts. Et en fait, je crois que je préfère l'autre arme en fait. Bon. Merci YouTube pour d'avoir suivi cette VOD qui ben, n'a été que tristesse et désespoir. On se retrouve dans une prochaine VOD. Ce fut un plaisir. Ciao, ciao.